allez donc avoir le privilège d'admirer ces célèbres tapisseries de la dynastie Ming. Ces chefs-d'œuvre inestimables sont protégés par le système de sécurité le plus perfectionné au monde. Si quelqu'un commet l'imprudence de s'en approcher, voilà ce qui se produit. Travailler là-dedans. Bien joué, Mandy. Tu viens de gâcher nos négatifs et nos tirages. Peut-être, et alors, quelle importance? De toute façon, vos petits tirages d'amateurs n'avaient aucune chance face à mes clichés professionnels. Ah oui, comment tu peux en être aussi sûre? Parce que moi, j'ai l'étoffe d'une gagnante. Pas vous, vous êtes toutes vouées à l'échec. Mais pas de panique, c'est pas si grave. Je vous ferai un petit coucou du haut de l'estrade quand on me remettra le premier prix. Au revoir. Tout craché, hein. Elle a fait exprès d'entrer au mauvais moment. Résultat, cette tricheuse va gagner le concours sans problème. Pas si on fait quelque chose pour l'en empêcher. Ah oui, et quoi? Allons montrer nos photos sabotées au professeur Jenkins. Je suis sûre que notre histoire l'intéressera. Je sais pas qui supervise les transferts au groupe, mais qu'il apprenne à viser, ça me donne mal au cœur. Le vol d'œuvres d'art que vous voyez sur cette vidéo de surveillance est le dernier d'une longue série. Il s'agissait de tapisseries de la dynastie Ming. Qui peut avoir envie de voler de vieux bouts de tissu? C'est débile. Ces vieux bouts de tissu, comme vous dites, Alex, ont plus de 1000 ans et leur valeur marchande est estimée à 10 millions de dollars pièce. Ça fait une somme. Mais ça reste quand même de vieux bouts de tissu. Je veux dire, c'est très beau. Et comme vous pouvez le constater sur cet enregistrement, le voleur semble avoir recours à la magie. Les œuvres d'art disparaissent comme par enchantement sans laisser de traces. La communauté internationale du monde des arts est sur le pied de guerre et les dirigeants de certains pays sont déjà en désaccord. Quel sera notre rôle dans l'affaire? La prochaine intervention du voleur aura probablement lieu lors d'une vente aux enchères organisée par la famille royale d'Espagne. Elle est réservée aux millionnaires. Vous vous ferez donc passer pour de riches collectionneuses. Jouer les estates pleines aux as? Je me vois tout à fait dans le rôle. Alors on voyagera en première classe? Oui, en quelque sorte. Secousse, mademoiselle, mais vous devez être sur place le plus vite possible. Alors passons vos gadgets en vue, maintenant. Pour cette mission, nous avons retenu le serre-tête plein phare, un enregistreur numérique avec éjecteur de CD Ninja, une épingle à cheveux avec perche extensible, également trois paires de gants ventouses, ainsi que les ceintures à bolas. Je vais vous poser une question, mais... j'ai peur de la réponse. Comment on redescend sur Terre? Oh, la manœuvre est très simple. Il suffit de libérer l'étage autonome de réinsertion suborbitale. Et c'est quoi l'étage autonome de réinsertion suborbitale? Je vous le montre immédiatement. C'est cela. Alex, la prochaine fois, demande pas d'explication! Alors ça, c'est ce que j'appelle une garden party réussie. N'oubliez pas que n'importe lequel de ces millionnaires est un suspect potentiel. Ouvrez l'œil. A priori, qui soupçonnerait un riche amateur d'art de vouloir voler des œuvres qu'il peut largement s'offrir? Si on dressait une liste de snobinards roulant sur l'or et prétentieux, je crois que je mettrais sans hésiter Mandy en tête. Laisse Mandy de côté pour l'instant. Elle n'a rien à voir dans l'histoire. Nous sommes en mission. Vous avez raison, très cher. Je suis tout à fait de votre avis. Bienvenue à tous. La famille royale est heureuse de vous accueillir à la 17e vente d'automne. Pardon. Le premier lot sera une œuvre de Carlos Carmelitas intitulée L'urne du soldat inconnu. La mise à prix est de 500 000 dollars. Merci, nous avons 500 000 ici, qui dit 600, 600 000 pour monsieur, qui dit mieux. Y a-t-il là 700? Je sais pas, tu sais, inondé de parfum, mais c'est suffocant. Mais c'est carrément agressif pour les sinus. Peur, pense que le voleur peut intervenir à tout moment, reste vigilante. Toujours personne pour 700 000. Attention, 600 000 une fois. C'est pas facile de rester concentré avec tout ce parfum qui me pique le nez.
J'ai une enchère à 700 000. Qui dit mieux? Personne n'a vu 100 000. 700 000 dollars une fois. Ah, Teddy! 700 000 dollars deux fois. Anne! Adjugée à la jeune femme de la quatrième rangée. Je pense qu'on vient de dépasser le budget de cette mission. Passons au deuxième lot. C'est une pièce exceptionnelle. Cette statue équestre est la dernière œuvre de Bernardo Fiasco de Gama. Elle représente Don Quichotte. C'est un marbre blanc d'une extrême pureté travaillé dans la masse. La mise à prix est de 5 millions. Ça ne se volatilise pas comme ça. Regardez, je parie que cette poudre pourrait nous éclairer sur sa disparition. Ah, tu restes avec nous, s'il te plaît. On ne voit rien là-dedans. Passons en plein phare. Ça sent le moisi dans ce souterrain. Il pourrait quand même ouvrir une fenêtre, ce serait plus sain. Bien, mesdemoiselles, maintenant il est temps de passer à l'action. Grosse intervention affectée au vol d'œuvres d'art. Mission officielle. Alors, on réquisitionne. Hey, on vous les ramène tout de suite. Enfin, on fait ce qu'on peut. Le résidu que vous avez trouvé sur les lieux des deux disparitions est un composant explosif utilisé dans les tours de magie. Alors peut-être qu'Alex n'a pas eu d'accident? Tout ça n'est qu'une simple illusion et elle est saine et sauve. C'est ce que laissent penser les indices, et pour ce qui est du coup du parachute et de la tornade, c'est paraît-il la spécialité d'un célèbre magicien. Elle l'a fait connaître dans le monde entier, il s'agit du grand Kandinsky. Il ne nous reste plus qu'à aller rendre une petite visite à ce Kandinsky pour voir s'il n'y a pas quelques tableaux de trop chez lui. Oh, ça ne va pas être possible, il a disparu dans un accident de bateau il y a quelques années. D'accord. Fausse piste. Bon, on oublie et on reprend tout à zéro. Pas forcément, Clover. Son petit-fils a fait du château familial un monument à la mémoire de son grand-père. Allez le voir. Il pourra peut-être nous éclairer un peu sur ses vols étranges. Oh oui, ce sera toujours mieux que cette pauvre ville où tout le monde fait la sieste l'après-midi. C'est un peu particulier comme endroit, mais ça a du charme. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis Samantha Simpson du magazine Abracadabra. Et voici ma collègue Clover. Nous préparons un article qui retrace le portrait des plus grands magiciens du monde. Pourrions-nous vous poser des questions sur votre grand-père? Oh, dites oui, vous nous seriez d'une aide tellement précieuse. Oh, bien sûr, je vous en prie, entrez. Et voici enfin le matériel qui lui permettait de réaliser ses tours les plus célèbres. Le cercueil clouté et la guillotine de l'horreur. Oh, c'est très impressionnant, cette avocoupe, elle souffle. Non. Oh, que c'est original! C'est avec cette montre que mon grand-père hypnotisait les gens. Il lui suffisait d'un seul balancement pour plonger n'importe qui dans un état second. Tournicoti, tournicota. À mon signal, réveille-toi. C'est la formule magique qui met fin à la transe. On se croirait presque dans un conte pour enfants. Oui, dans un conte de fées. Bon, revenons à nos moutons. Nos lecteurs rêvent d'en savoir plus sur les célèbres illusions qui ont fait le succès du grand Kandinsky. En particulier, le tour de la tornade ou bien celui du parachute. Une vraie merveille. Quel genre de journaliste êtes-vous, au juste? Pardon? N'importe quel amateur de magie sait bien que les grands illusionnistes ne révèlent jamais leurs secrets. Désolé, mais je vais devoir vous demander de partir. Au revoir. Nous aussi, on est ravis de vous avoir connu. Oh, c'est une impression où le temps s'est rafraîchi? Ouais, et c'est aussi glacial à l'intérieur qu'à l'extérieur. On se croirait dans un film d'horreur. Fichons le Candice. C'est une illusion d'optique ou ces alligators sont bien réels? Sam, aide-moi!
ce pont ne manque pas de piquant. Au risque de paraître paranoïaque, j'ai la curieuse impression que notre présence n'est pas la bienvenue dans les parages. C'est aussi ce que j'ai cru comprendre. Ça te dirait une petite expédition nocturne chez Grégor le petit Kandinsky, histoire de jeter un œil à ses secrètes familles? Bon, il ne reste plus qu'à trouver le moyen de traverser sans se faire croquer par les crocos. Pas de problème. Il suffit simplement de marcher sur la corde. Tout compte fait, je me demande si je ne préférais pas l'autre pont. Toutes les issues ont l'air bloquées de ce côté. Tant pis, on n'a pas le choix, on va être obligé de prendre l'ascenseur. Quel ascenseur? Clover, tu vas bien? Aussi bien qu'une fille qui vient d'atterrir sur les fesses au sommet d'une horrible forteresse transylvanienne en pleine nuit de vendredi 13, alors que sa meilleure amie s'est volatilisée dans un tour de passe-passe. Bonne réponse. Oh. Allons examiner l'intérieur. Tu peux me dire ce qu'on cherche exactement? Ce que Grégor n'a pas envie qu'on découvre. Et c'est cette porte. Je suppose que ça doit vouloir dire ne pas déranger. Oh, excellente interprétation. Je propose qu'on aille voir ailleurs. Ah, la chauve-souris! Ah, il faudrait dire à Grégor de passer un petit coup de balai de temps en temps. Je pense que l'une de nous deux devrait regarder ce qu'il y a dans cette malle. Ce serait bien. On fait pierre, papier, ciseaux? Ouais, j'y vais. Ah, regarde! C'est la cape que portait notre voleur en moto! Grégor, tu es fait comme un rat! Cette fois, ça y est, je crois que j'ai eu ma dose de magie pour la nuit, ça devient pesant. Clover! Hein? C'est bien toi? Alex! Elle est en vie! Tiens bon! J'essaierai avec ça, on ne sait jamais. Oh, vous en avez mis du temps à venir. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, à ton avis, le voleur m'a enlevé. Il n'a pas enlevé que toi, apparemment. Les œuvres d'art disparues? Quelle surprise! Revoilà nos petites journalistes trop curieuses. Comment ça? On n'est pas journalistes. Vite, cherchons une autre sortie. Qui c'est celui-là? Le voleur, qui veux-tu que ce soit? Non, c'est pas possible, c'est Grégor le voleur. Qui c'est Grégor? Grégor est mon petit-fils, mademoiselle. C'est toi, grand-père? Tu es en vie? Comme tu vois, mon garçon, le célèbre, l'unique, le grand Kandinsky est vivant. Fais-tu cela, grand-père? Elles en savent beaucoup trop, mon petit. Et elles ont commis l'erreur de fourrer leur nez dans mes affaires. Traduction, nous, les gentils, avons tenté d'empêcher grand-papa, le méchant, de dérober des œuvres d'art très très rares et très très chères. Et c'est pour ça qu'il a voulu nous transformer en croquettes pour alligator. Des alligators? Des œuvres d'art? Mais de quoi est-ce qu'elle parle? De moi et de ma volonté de récupérer ce qui m'a été volé, Grégor. Vois-tu, j'étais le meilleur prestidigitateur du monde jusqu'à ce qu'un misérable dévoile mes secrets. J'ai alors préféré disparaître plutôt que d'être ruiné. Mais aujourd'hui, je suis là pour montrer qui est le plus grand magicien de tous les temps. Joins-toi à moi et nous deviendrons les grands Kandinsky. Ça n'a pas de sens. Laisse partir ces jeunes filles. Comme tu voudras. Prends ces clés et libère-les. Alors, te joindras-tu à moi, Grégor? Je me joindrai à toi, grand-père. Adieu, mademoiselle. Nous avons à présent un trésor pharaonique à faire mystérieusement disparaître en plein ciel. Et ça veut dire quoi en français? En ce moment, un avion transportant le trésor de Toutankhamon vole pour New York et les grands Kandinsky sont sur le point de l'escamoter. À tes ordres, grand-père. Hypnotiser son propre petit-fils? Il a un sens aigu de la famille, ce grand-père. Bon alors, est-ce que quelqu'un a une idée géniale pour nous sortir de là? Ce balancier a une lame tellement tranchante qu'elle pourrait couper n'importe quoi. Si tu dis ça pour nous remonter le moral, c'est raté. Non, je pensais simplement qu'elle pourrait couper nos chaînes. Clover, tu peux actionner mon épingle à cheveux avec ta tête? Oui, je crois. Super. Alors, à trois, appuie dessus et fais comme moi. Un, deux,
3. Vite, levez vos chaînes. Roulez sur le côté avant le prochain passage. Ça fait deux fois aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit excellent pour la tonicité des fessiers. Jerry, il nous faut un avion d'urgence. Quand est-ce qu'on verra l'avion de Toutankhamon? D'après l'écran radar, je dirais tout de suite. Il va falloir qu'on saute en plein ciel. Tu veux dire qu'on sorte de l'avion et qu'on se laisse tomber en chute libre sur des centaines de mètres? Bien sûr que non, voyons, il y a une échelle de corde. On fera qu'un petit bond d'une vingtaine de mètres. Simple suggestion, on pourrait pas se contenter de le suivre jusqu'à ce qu'il atterrisse. Et laisser à Kandinsky le temps de nous faire le coup de la tornade? Pas question. Vos gants ventouses sont parés? Parés? En avant, je passe la première. Entre les avions et moi, ça n'a jamais collé. La plus jeune d'abord, après toi. Non, la plus vieille, à toi. On fait pierre, papier, ciseaux. Sur ta chaussette pourrie. Chut, taisez-vous, il y a quelqu'un. Comme tu le vois, la fortune sourit aux audacieux et le nom des Kandinsky passe à la bientôt à la postérité. Qu'il en soit ainsi, grand-père. Pas si vite, papy, vous oubliez un détail. Nous aussi, on connaît un tour de magie, Kandinsky. Jolie prise, les Spies. Il est passé par ici. Il repassera par là. Comment a-t-il... Il commence à me taper sur les nerfs, Merlin l'enchanteur. Public, magicien. Pas avant de vous avoir écrasé comme de vulgaires petites punaises. Abracadabra! J'aime pas du tout la tournure que ça prend. Une idée, Sam? Je vais tenter de faire diversion. Ça risque de secouer. Préparez vos gants ventouses et accrochez-vous quelque part. Maintenant! Il est hypnotisé peut-être, mais sinon, moi, je le trouve plutôt craquant. Il est passé par ici, il repartira par là. Oh non! Tournicoti, tournicota, à mon signal, réveille-toi. Eh, c'est fini la sieste, on se réveille, feignant. Tu devrais peut-être essayer de claquer des doigts. Oh. Merci du conseil. Waouh, mais qu'est-ce que je fabrique ici, moi? Avec vous? Ça doit être toujours des chances. Bravo, jolie prestation, les amateurs. Il paraît que les photos reflètent les personnalités. Les vôtres sont ternes et insipides, c'est logique. Alors là, j'y crois pas. Pendant qu'on se tue à sauver le monde, notre pire ennemi sabote nos photos dans notre propre lycée et s'en tire sans punition. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est ce qu'on va voir. Quand les membres du jury vont venir regarder nos clichés, je vais leur raconter le coup de la chambre noire. Je te rappelle qu'on n'a pas de preuves. Je trouverai bien quelque chose. Ces photos ont été surexposées, si je ne m'abuse. Oui, et la coupable, c'est... Quel concept étonnamment novateur. Faire ressortir les défauts au lieu de les dissimuler. Je crois que nous tenons nos gagnants. On a gagné? Attendez, il y a forcément une erreur. Mon travail a été supervisé par un photographe mondialement reconnu, le célèbre Stanley Lebovix. Il est certes irréprochable d'un point de vue purement technique, mais le pauvre manque cruellement d'imagination. Le premier prix est donc attribué à Alex, Clover et Sam, dont les effets créatifs de surexposition dénotent un talent certain qui mérite d'être récompensé. C'est un scandale! Alors, j'exige le recomptage des voix! Je pourrais être première et que c'est con! One, two, three, now, baby, and here we go.
Il y a un coup de soleil? Non, au contraire, c'est glacé. Et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon. On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Oh non, c'est Daryl. Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle. Qu'est-ce qu'il te prend? Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs? Pourquoi pas? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids. Salut Clover, t'as reçu mon petit mot? Oui, mais malheureusement pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi. Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. Quoi? La reine des glaces? Moi? Mais c'est complètement ridicule. Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CO2. Dois-je te rappeler que tu t'es élue toi-même? Ça change quoi? J'ai l'impression que Jerry est de mèche avec Monsieur Benson. Je sais pas ce qu'il y a de pire, une interro surprise ou une mission surprise. Bonjour les filles, que savez-vous précisément de l'éco-biologie? Je dirais que les doses valent. Voici l'île Fidji vue du ciel. Fidji? On dirait plutôt l'Alaska. Cet endroit a récemment subi des dérèglements climatiques majeurs, y compris une éruption volcanique de grêle. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène semble maintenant s'étendre à d'autres îles équatoriales. C'est un peu comme l'effet de serre, mais à l'envers. L'effet d'igloo, en quelque sorte. Exactement. Et si ces anomalies persistent, cela pourrait s'avérer catastrophique pour l'écosystème et à terme pour l'humanité. Vous commencerez votre enquête sur l'île de Zanzibar, l'une des régions tropicales où sévissent actuellement ces mystérieux phénomènes. Vous vous ferez passer pour des journalistes de géographie internationale. Oh, génial! Est-ce qu'on aura droit à des mini-magnétos? Non, mais je vous ai préparé le superbe stylo à billes. Ils contiennent une paire de fléchettes soporifiques à tête chercheuse qui peuvent atteindre leur cible à 30 mètres. Pratique! Vous aurez également besoin de ceci. Para-ombrelle à armature renforcée au titane. Magnifique bracelet thermodynamique de frigométrie. Rouge à laser de précision, parfum cerise. Et après, ski glamour en fourrure. Là, je crois qu'il y a erreur. La fourrure, c'était glamour l'année dernière. En plus, ça va pas aller avec mes protège-oreilles. Glamour, comme glisse légère à multi-options ultra rapide. G-L-A-M-O-U-R. Glamour. Super, les patins! Impressionnant. J'ai plus qu'à changer de protège-oreilles. Regardez ce paysage, tout a l'air si calme, si paisible. On se croirait au pays du Père Noël. Au fait, Condoril a dit que tout le monde m'appelait la Reine des Glaces. À ton avis, qu'est-ce qu'il entendait exactement par tout le monde? Tous les élèves du lycée. Toi aussi, t'es élève du lycée? Juste une question, c'est quoi le nuage qui annonce l'orage? Le cumulus ou le cirrus? Oh, Alex, oublie cette interro surprise deux minutes, tu veux? C'est ma réputation qui est en jeu, c'est très sérieux. Non, mais c'est pas du tout de l'interro que je parlais, c'est de la tempête qui nous attend. Oh! J'aurais pas dû reprendre deux mousses de chocolat au dessert. C'est quoi ça? On dirait de la grêle. Il faut poser cet engin. J'y arrive pas, le vent est beaucoup trop violent. Laissez-moi faire, je m'en charge. Ça doit pas être mon jour.
Vous autres journalistes, vous cherchez toujours le danger, pas vrai? En l'occurrence, c'est plutôt le danger qui nous trouve. C'est gentil à vous de nous faire visiter votre île, votre Altesse municipale. Appelez-moi Kamba. Et que pensez-vous de ce dérèglement climatique insensé, monsieur Kamba? Si cela continue, Zanzibar ne sera bientôt plus une île, mais un iceberg. Vous pouvez écrire ça dans vos articles. C'est pas que je m'ennuie, mais on ferait mieux de commencer notre enquête journalistique de suite. Ça me donne une idée. Journaliste, vous savez vous adapter à toutes les situations. Plus on s'enfonce dans les terres, plus la température chute. C'est pas logique. Normalement, c'est sur la côte qu'il fait le plus froid à cause des vents marins. Dommage que ces véhicules n'aient pas le chauffage. Sûrement que je couvre une bronchite chronique. Tu avais raison, Clover. Tu n'es pas la reine des glaces, tu es la reine des comédiennes. Ce champ de geysers se trouve exactement au centre de l'île. Habituellement, c'est un haut lieu du tourisme. Les jets de vapeur qui jaillissent de ces sources peuvent s'élever à plus de 3 mètres du sol. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. Ah ouais ? Sans rire. Ouais. Réfléchissez. Toute cette glace qui sort des volcans et des geysers, elle ne peut provenir que du sous-sol, du centre de la Terre. Bah, je croyais que le centre de la Terre était constitué de magma en fusion. Oh là là, j'ai vraiment eu tout fou à cet interro. Non, Alex, tu avais raison. D'après les résultats de mes analyses, ce morceau de glaçon est en réalité un petit bloc de lave congelée. Tu veux dire que quelque chose ou quelqu'un aurait modifié la température interne de la Terre? Ça m'en a tout l'air. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Si vous y arrivez avec mon modeste 4x4, je serais vraiment impressionné. A dû sortir du geyser. Qu'est-ce que c'est? D'après sa texture, on dirait un tissu synthétique. Peut-être une espèce d'isolant thermique. Ou un mouchoir à tête, c'est justement ce qu'il me fallait. J'ai l'impression que le fond de l'air est de plus en plus frais. Mais non, t'as raison. La température a baissé de 10 degrés depuis qu'on est arrivé. Il faut qu'on inspecte le centre de la Terre. Le temps presse. Clover, appelle Jerry. Kamba, nous devons faire un point avec notre rédacteur en chef, mais nous vous contacterons en cas de besoin pour boucler l'interview. Vous, les journalistes, vous êtes si professionnels. Prévenez-moi quand l'article paraîtra. Salut! Bonjour, mademoiselle. Vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai quelque chose à vous montrer. Je crains que la situation ne se soit sérieusement aggravée. La vague de froid s'étend à présent au-delà de l'équateur. Les températures chutent dans le monde entier. Si vous n'agissez pas rapidement, la Terre sera complètement gelée et toute forme de vie sera détruite. Alors nous devons descendre sous la surface de la Terre. Le meilleur moyen sera de passer par la fosse des Mariannes, qui se trouve au fond de l'océan. J'envoie un sous-marin du groupe pour vous récupérer dès que possible. Clover, montre-lui le tissu avec un symbole bizarre que tu as pris pour un mouchoir tout à l'heure. Scannez-le et je le comparerai à notre base de données. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Répondant un beau bol de soupe au boulet. Tu n'as rien contre un bonbon à la menthe, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Fraîcheur glaciale, tu veux m'achever ou quoi? On se dirige vers la fosse. C'est quoi ce gros bloc de rocher devant? Ça, j'en sais rien, mais on vient juste de le percuter. Tiens, c'est curieux. Revoilà le symbole du bouchoir. Oh! C'est sûrement Jerry. J'ai l'information concernant l'échantillon que vous m'avez envoyé, les Spies. C'est un signe et la marque de fabrique d'un éminent scientifique, le docteur Gell, le plus grand spécialiste au monde du réchauffement de la planète. Il a pris un congé exceptionnel l'année dernière et l'on est sans nouvelles de lui depuis lors. C'est plutôt louche, non? Comme vous dites. En fait, Clover, il est recommandé de boire beaucoup dans votre état. Il semble que vous ayez attrapé un gros rhume. Merci des conseils, Jerry.
Il n'y a plus une seconde à perdre, les filles. L'avenir du monde dépend de vous. Sacré Jerry, il a vraiment le chic pour nous mettre la pression. Ah, qu'est-ce que c'est? Apparemment, nous sommes attaqués. Ah, il essaie de nous couler, ma parole. J'ai oublié mon maillot. Oh, le trouillard, il se dévide. La mer se transforme en glace. Oh, vite, partons avant qu'on se fasse écrabouiller. Aucun temps n'est pas remarqué. Il y a toujours un rocher qui nous barre la route. On peut sortir, la voie est libre. À votre avis, c'est quoi cet endroit? Sûrement le petit musée des horreurs. Je peux plus avancer, j'ai les jambes en coton. Pas étonnant, je fais une bouffée de fièvre. T'es sûrement ce qu'il y a de plus brûlant sur la planète en ce moment. Si je me sentais pas aussi mal, je prendrais ça comme un compliment. Oh non, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Gène n'a pas ouvert du temps. Ça doit être la machine qu'il utilise pour refroidir la Terre. Il suffit de trouver comment inverser le processus. À votre place, je ne toucherai pas à ça. Docteur Gel ? Lui-même, en chair et en os. Je suppose que vous êtes venu pour sauver la planète. Oui, c'est ce qui était prévu au programme. Oh, quelle intention louable et généreuse. Dommage qu'elle soit vouée à l'échec. À présent, mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter le capitaine. On s'est pas déjà vu quelque part ? On n'a aucune chance de réussir. Je suis navré de devoir vous contredire, mais si vous regardez mes écrans de contrôle, vous constaterez que j'ai déjà, comme qui dirait, jeté un froid sur le globe. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai passé toute ma carrière à étudier les dégâts causés par l'homme sur notre environnement. Pollution, destruction de la couche d'ozone, pillage des ressources naturelles, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que l'humanité ne méritait pas notre planète. J'ai donc décidé de la ramener tout bonnement à l'ère glaciaire. Mais vous êtes condamné à geler avec nous. Votre sollicitude me bouleverse, ma chère. Mais rassurez-vous, j'attendrai patiemment la fin de cet hiver bien au chaud dans mon chalet isotherme. Puis, lorsque toute civilisation aura été détruite, j'inverserai le processus grâce à cette télécommande thermique et le climat global se réchauffera. Et vous n'avez pas peur de vous sentir un peu seul sur une planète déserte? À vrai dire, j'ai toujours été d'un tempérament solitaire. Cela étant, vous n'avez pas tort. Un brin de compagnie ne me ferait pas de mal. Vous jouez aux échecs? Aucune importance, je vous apprendrai. Messieurs, amenez-moi la blonde. Elle fera une parfaite reine des glaces. Quant à vous deux, je crains que vous ne deviez passer l'éternité en hibernation dans cette caverne, prisonnière des entrailles de la Terre. Filons vite. Dans 20 minutes, la Terre sera entièrement recouverte d'une couche de glace. On était à deux doigts d'être changés en esquimaux.
Oui, encore une chance que j'ai pu attraper le rouge à laser. Et qu'il fasse double usage, mes lèvres n'ont jamais été aussi gercées. Dépêchons-nous, il faut trouver un moyen d'éteindre cette machine. Oh non, tout est bloqué. C'est comme si les commandes avaient été verrouillées. Sam, regarde, on arrive trop tard. Non, pas question d'abandonner. Le docteur Gell a dit qu'il nous restait encore 20 minutes avant la prochaine ère glaciaire. Nous devons à tout prix les retrouver, lui et Clover. Mais comment tu comptes faire revenir la capsule? Comme ça. Est-ce que tu sais comment ça marche? Il faut peut-être une clé de contact ou un code secret. Ou alors... Cet engin doit être programmé pour aller directement au pôle Nord. J'espère qu'il n'y aura pas de Luffy. J'ai toujours eu horreur des montagnes russes. Et moi, j'espère que tu aimes les autres tamponneuses. Parce que la sortie du tunnel est bouchée par la glace. On n'a qu'à utiliser nos lasers. J'ai une meilleure idée. Accroche-toi à tes bouffes. J'avais su qu'on visiterait le pôle Nord, j'aurais apporté ma lettre au Père Noël. Pas bête, comme ça t'aurais pu la lui donner en main propre et sympathiser avec les reines. Je parie que c'est le repère secret du docteur Gell. Tu te fais mal? Non, non, ça va. J'ai seulement trébuché sur cette grosse bosse. Tu l'as vexé. Mais je croyais que tout était sensationnel. Est-ce que tu sais faire des 8 sur la glace? Oui, bien sûr, pourquoi? Échec et mat, j'ai encore gagné. Oh là là, elle va durer combien de temps, cette ère glaciaire? Non! Vous avez tout gâché, misérable! Désormais, nous sommes tous condamnés à geler sur place! À moins que vous ne désactiviez votre rayon réfrigérant! L'œuvre de toute une vie, c'est hors de question! Attrapez-les! Non, plutôt me sacrifier que de me rendre... Non! Espèce de petite peste! Vous m'avez contaminé avec vos microbes! Maintenant, plus personne pourra te traiter de reine des glaces. Tu seras celle qui a réchauffé le monde entier. Oh, regardez les choses du bon côté. Vous aurez tout le temps de vous perfectionner aux échecs en prison. C'est vraiment sympa de la part de Kamba de nous avoir envoyé ses chemises. Et ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas. Il était trop content de voir le soleil revenir. Regarde, c'est Dari. Il doit être en train de t'écrire un nouveau poème. Ne bougez pas, je reviens. Bah, où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon. Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre. J'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes. Salut, Dari. Tiens, salut, Clover. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois. Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi. Je suis désolée, Clover, mais malheureusement, j'ai un emploi du temps très chargé.
tout de suite sur Gulli. Les deux équipes sont priées de se mettre en place.